<سؤال> أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد شيخ خير أسير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا أكسبيكي لا دو توحيد l'importance de tawhid et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie le tawhid dans la pensée le tawhid dans les applications et dans l'action le tawhid في الذات والتوحيد في الفعل et aussi aujourd'hui on va parler sur la question de tawhid dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala vous voyez l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le but de la création et toute l'humanité et toute la création adore Allah subhanahu wa ta'ala vous vous rappelez de sujet de verset coranique de surat Ibrahim qu'il parlait de kalima tayyiba et le kalima tayyiba était le tawhid et on a vu comment l'imam al a donné l'importance du tawhid dans notre vie et c'est pour se protéger et pour se réfugier vers allah subhanahu wa ta'ala et c'est pour ça qu'on voit que toute la création font le tawhid vous voyez même l'arbre. Pourquoi Allah a donné l'exemple de l'arbre? Vous savez même l'arbre, elle fait l'adoration, il fait l'adoration d'Allah subhanahu wa taala. J'étais au Canada pour Majalis Muharram une fois et j'ai rencontré un savant et un jeune scientifique, un scientifique qui étudiait les arbres. Pendant longtemps, il a étudié les arbres. Il m'a dit que les scientifiques aujourd'hui ont prouvé que les arbres ont des sentiments. Quand ils met, qu il mettent les détecteurs sur un arbre, si ils coupent l'arbre juste à côté, ils voient que l'arbre sentit et sent des, cette acte-là et c'est pour ça que vous voyez que cet arbre-là avec le détecteur il a des sentiments ça c'est il est prouvé on voit ça même dans le Saint-Coran Allah a dit wa in illa chaque chose dans ce bas-monde-là il glorifie Allah subhanahu wa mais nous on comprend pas vous voyez les arbres que vous voyez ici et toutes les choses dans la création, ils font l'adoration d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, mais nous, on ne comprend pas. Mais le plus important dans l'adoration d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est d'adorer Allah avec la sincérité. C'est d'adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala avec l'intention pure. Ce pas adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala pour le RIA. Vous voyez, dans le saint coran Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit, fawaïloun l'el-musallin, an salatihim sahoun. » Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leurs salats qui sont pleines d'ostentation. Vous voyez l'ostentation, le RIA c'est le pire des choses parce que on fait les actes, on souffre, on fait les efforts, mais à la fin, notre acte n'est pas accepté. pourquoi? parce qu'on a associé les autres avec allah subhanahu wa ta'ala. c'est pas important de faire beaucoup d'adorations sans la bonne intention et sans la sincérité. Le plus important qu'on fait l'acte avec l'eclos, c'est avec l'eclos acte, l'acte est accepté. C'est pour ça vous voyez que dans le Saint-Coran et dans l'Ahadith Ahl al-Bayt, il insiste sur la question de sincérité. Vous voyez les grandes personnalités, ils font l'adoration, mais le plus important, c'est dans l'intention qu'il fasse. vous voyez, on a de, beaucoup d'exemples. moi, aujourd'hui, je voulais vous donner quelques exemples. un de ces exemples, c'est cheikh abbas el Qumi. cheikh abbas el Qumi, l'auteur d'un livre très connu comme Mafatih al-jinan. il avait beaucoup de bouquins, beaucoup de livres, Cheikh Abbas Al un jour, il a vu son père entrer et il lui a parlé d'un livre très important. Il a dit que j'ai un prof et il a un prêche qui nous a donné des cours d'un livre très important qui s'appelle Manazil Al Akhira. Et c'est pour ça j'ai espéré, mon fils, que tu peux... Que tu puisses un jour écrire un livre comme ça. C'était lui l'écrivain de, de ce livre-là. Cheikh Abbas al a écrit le livre de Manaz al-Akhirah. C'est un livre très important. Mais lui, il n'a rien dit. Malgré que, vous savez, de parler et de dire et de faire le plaisir à nos parents, c'est très important. Même si on leur parle de nos efforts de nos expériences, de nos études. mais lui, il voulait que l'acte soit 100 pour allah subhanahu wa ta'ala. c'est pas comme certains qu'ils font les actes pour les autres. vous voyez, le prophète alayhi wa alayhi wa sallam, nous a parlé de ce danger des gens qui travaillent pour les autres. il a dit, il a donné l'exemple d'un

Sur un pierre noire et le fourmi il est noir aussi. Qu'est-ce qu'il va passer Est-ce qu'on peut sentir la marche de ce fourmi-là Bien sûr que non. C'est la même chose. Le shirk, l'association à Allah subhanahu wa taala de faire associer les autres à Allah subhanahu wa taala, il est aussi précis. Il entre dans le cœur des gens sans faire. Attention, c'est pour ça qu'il est le pire des choses. Dans le jour de jugement, on dit waqadna dans la verset coranique, le verset coranique Allah a dit waqadna ila ma 'amilu min 'amal fa ja'alnahu haba'an mansura. On est venu le jour de jugement, on vient Allah subhanahu wa ta'ala il a dit et que on trouve rien, on va tout perdre dans ce jour-là si on n'a pas fait, on n'a pas fait pour Allah, Subhanahu wa Taala. C'est pas comme la personne qui a, il est parti à la mosquée, il est parti, il a fait le salat, il a fait le ibadah. Un de ses amis il lui a dit, jusqu'au quand tu vas faire le salat pour les gens? Parce qu'il savait que lui, il fait le RIA. Bien sûr, nous, il ne faut pas qu'on juge les autres. Ça, c'est très important. Même s'ils font le khouchou dans la prière, il ne faut pas penser qu'ils sont en train de faire le, la prière avec le RIA. Mais quand quelqu'un, il fait ça et on sait qu'il est en train de faire le RIA, peut-être on peut lui donner un conseil. Son ami, il lui a donné un conseil. Il a dit, il faut que tu prennes... L'attention, parce que c'est la fin de ta vie, tu es vieux maintenant, ça suffit de faire le RIA. Lui, il a dit c'est vrai. Il est parti dans un coin loin de la ville. Il a commencé à faire la prière dans un coin éloigné des gens pour qu'ils fassent la prière pour Allah, sincèrement pour Allah. Subhanahu wa il était là-bas, il a commencé la prière. Il a dit Allahu Akbar. Il a commencé la prière. Tout d'un coup, il a entendu des bruits. Il a pensé que peut-être c'est un, une personne qu'il me connaît. Qu'est-ce qu'il va dire Maintenant, il va dire Masha'Allah, cet homme-là, il est venu dans ce coin loin de, des gens éloigné des gens pour faire l'adoration sincère. Il est un abed, il est un vrai adorateur, il est un zahed. Il a commencé à penser à ça. Et c'est pour ça il a fait mieux la prière et il a fait encore le ria. Quand il a fini la prière, il a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il a regardé derrière lui, il a vu que c'était un chien. Vous voyez, il a fait la prière pour le chien et même il y a un autre personne malheureusement. Il était en train de faire la prière dans la mosquée. Tout le monde parlait de lui. Masha'Allah, Allah, il fait la meilleure prière et ils ont commencé de parler de lui. Lui, il était très fier et orgueilleux de ça. Et quand il était en train de faire la prière, même dans la prière, même. Il a dit aux gens, et je suis euh, siyam, en Siam aussi, et je fais la jeûne aussi. Vous voyez cette personne-là et les autres personnes, comment ils perdent tous les actes pour le Donia. Et enfin, est-ce que les gens, ils vont les aider Ils vont leur donner quelque chose Ça sert à rien. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset coranique nous a parlé de l'importance de faire l'ibadah seulement pour allah et pas pour les autres. on demande à allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous aide pour faire la prière et toutes les adorations seulement pour lui avec la sincérité complète et totale. wa sallallahu wa wa rahmatullahi wa barakatuh.